Si. Très bien, on a eu un petit raté, on a eu le PC qui a crashé à cause de mes manettes qui galèrent, mais c'est pas grave, on est toujours en train de tester les jeux vidéo Si. qui... Ah merde, on m'entend, Très bien, on a eu... ah, hop là, on a entendu mon très bien, au secours. Je disais donc, on est toujours en train de tester les jeux vidéo des élèves de mon super pote Johan, le school. Qui donc on a testé D85 qui était un super alors on va pas appeler ça un jeu parce que du gameplay le gameplay était un peu minime mais bravo les mecs bravo parce que comme je disais à votre prof excusez-moi je m'en rassois comme je disais à votre prof un jeu qui démarre comme ça je me suis marré j'ai envie d'en savoir plus j'ai envie de continuer quoi et franchement il est avec sa poule l'animal. C'était magique. On est reparti donc sur The Alpinist. Le marcheur alpin, comme dit nos amis français. Tabarnak. Ok, on est sur du... Ah! Ah, je suis pas content. C'était pas du ZQSD. Ah! Pas bien, ça. Bon, allez, c'est parti. Ça a été fait avec Unity, comme d'hab. Et ça, c'est un super logo, je le répète. Vraiment superbe. J'aime ce logo. J'ai une mise à jour Java qui est disponible. Va-t'en, mise à jour Java qui est disponible. Hop, c'est bon, casse-toi. Voilà. Hey, Kamel, ça marche. Oh, c'était un peu rapide, ça. La transition, elle faisait un petit peu mal. Un petit peu plus de douceur, les mecs. Oh non, 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 non. Ne réponds pas. On va le retenter, mais... Ah. Ah si. Ouais. Alors, c'est joli. C'est joli, mais pas super lisible. Au niveau de la DA, c'est moitié saturé et moitié pas saturé. Faites attention à ça. Premier truc, alors c'est sans doute, il y a sans doute une raison. Je peux pas bouger avec les flèches de la manette. Ça m'embête un petit peu. Mais écoutez, on va y aller. C'est joli, j'ai... Ah, quand même. Un petit peu plus de douceur dans les mouvements de caméra. Sinon, ça passe. Alors, c'est le même système que dans Gone Home. Ok. J'ai une jauge. Ah oui, j'ai une jauge. Ok. Bon, vos animations. Bon, vous aviez pas le temps, j'imagine que c'était un concours. Mais celle-là, c'est pas possible comme animation. C'est sympa. Ça, c'est super sympa. Super cool. Ça mériterait d'avoir une petite histoire avec. Bon, par contre, cet effet de lumière, vous l'avez bien réussi. Je pense que c'est juste un petit peu de gestion de couleur qui aurait été bien. Votre prof est pas revenu. Une seconde. Ah, j'ai mis sur pause. Ouais, une seconde. Je vais lire. T'es là! Que moi je suis en train de tester le jeu de tes élèves. Alors, ok. Yeah. Par contre, il est étonnamment agréable ce saut. Oups.
Ça va, c'est intuitif et tout, vraiment beau boulot. Super. Il y a juste ces animations où c'est. Non. Alors. J'aimerais bien le refaire parce que j'ai pas vraiment compris. Ouais, celui-là je le comprends pas les mecs, je suis navré. Non, ce saut c'est pas possible. Hop, je fais du bunny jump. C'est beau. Ce passage avec l'arbre est très sympa. Alors, ah d'accord, c'est pour ça que je ne pouvais pas voir. Clac. Faire ok, j'ai rien dit. Beau travail sur la musique hein, quand même, il faut le dire. Moustique. D'accord. Comment ça, presse B? Oula, j'ai rien compris. B. Les mecs, vous avez trop joué à Breath of Ride, hein. Ah d'accord, ok. On peut ainsi se reposer à flanc de paroi. Comme les vrais, quoi. Un petit rayon de lumière, ça aurait été sympa pour guider le joueur, effectivement, parce que la transition s'est fait un petit peu rapidement. Je veux dire, vous avez pensé à faire un flou quand le personnage se fatigue, mais au niveau du level design, un petit coup de lumière aurait été bienvenu. Ça, ce plan est joli. Ah oui, alors par contre, allez, va-t'en le flair. Vous voyez que je peux. Ah d'accord. Oups. Je suis où là? Je suis Rolin? Ah non. Ah les points de sauvegarde, vous êtes pas sympa.
Parce que vous le savez que je vais me planter. Ah, je suis tombé. Ok. Ah non, en fait, je suis pas mort, je suis tombé, tout simplement. Alors. Certes. Voilà. D'accord. Ouais, tout sur ma gueule. J'ai fait exprès, hein. Je suis réapparu ici. Bon, on a un petit souci d'animation, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, question, pourquoi est-ce que ma barre ici est orange? Un peu violent les descentes. Ouais, je vois ça, une alpiniste ne meurt jamais. Comme demain, quoi. D'accord, en fait, les petits mausolées, c'est un point de sauvegarde, je viens de comprendre. Alors oui, j'ai tendance à sauter, à la faire courir, mais on a tellement l'impression qu'elle lutte à cause de l'animation que... Ah, c'est bon. Je ne réponds pas. Bon, le jeu a l'air d'avoir des chargements un petit peu difficiles sur mon PC. Ok. Je vais inviter un anniversaire. Ça, c'est sympa, vraiment le cadre est très joli. Vraiment beau boulot. Que je tourne mes photos. Quelle photo? Quelle photo? Tiens. Même pas peur, je l'ai fait sans me sangler. Hop là. Pour le plot, tu verras. Ah mais me spoil pas la fin. C'est vrai. Donc il y a des surfaces qui ne peuvent pas être montées. Effectivement. C'est pas grave, je descends. Hop. C'est pas du rappel, mais hop. Eh, comme dans Mission Impossible. Un petit effet de ragdoll aurait été sympa pour la descente quand même. Ah ah, j'ai trouvé le piolet magique. Ah non, c'est un grappin. Ouais. Clac. Et là, je jette le grappin. Merde. Ça marche bien. Ok. Yeah! Alors, ça, c'est trop cool. Les mecs, vos animations sont dégueulasses, on va pas se le cacher, mais c'est cool. Vraiment, vous avez une jolie idée malgré tout, et ça fonctionne bien, vraiment bravo. Il y a 2-3 trucs qui me chatouillent, hein, c'est sûr, mais vous aviez pas le temps.
Donc on va rester très indulgent par rapport à tout ce que je vois. Je trouve que voilà, vous avez une certaine cohérence. Après, alors une seconde, je vais quand même boire un petit peu de flotte, désolé. Après, peut-être, je sais pas comment dire, un peu plus de features, un petit peu plus de choses pour amuser l'œil, en fait, aurait été bienvenu. Donc là, pas comme ça. Non plus. Bah ouais, moi je veux bien, mais... Ah, ou pour lancer un caillou. C'est ça. Je vais me prendre dans la gueule si je fais ça. On va monter. Parce qu'il y a un puma qui me fait pas peur. Ah d'accord, je peux pas monter. Ah connerie, merde, je suis tombé. Bah oui. Bon, là, non. J'ai un peu de mal à lancer, hein. Un petit viseur, les mecs, ça aurait été pas mal, hein. Ah d'accord, ça y est. Il fallait y arriver. Je piétine le cadavre de Bambi. Tiens! Tiens, j'ai pas peur. Donc toi, tu chasses le puma avec des tas de neige. Pourquoi pas? Alors ça, mon expérience Dark Souls a fait que j'aime pas trop les ponts. Est-ce que je peux tirer un caillou sur le canard? Ouais. Enfin, c'est pas un canard, c'est un aigle sauvage, royal et majestueux. Et non moins formidable prédateur aérien de ces cimes alpines immaculées. C'est beau ça. Alors. Ah! Regarde comme je monte bien. Following this, you insisted to join my alpinist club. You had a lot of good will and a lot of courage for the quickly. The harm in the chance did to transfer. Joli. Ces illustrations sont jolies. Je me jette dans le vide comme ça, pas peur. Ah ah! C'est pas électrifié, non, c'est bon. Non! Ah ouais mais non. Ah c'est bon. Mais non. Je me suis pas jeté dans le vide, c'est pas vrai. Alors, cette barre en bas, pourquoi pas, mais elle fait un peu tache en fait dans la DA, et peut-être que autre chose ça aurait été bien. Oui! Boum. Je me suis tellement pris le mur. Oh. Bon, on va rien dire parce que je sais que faire une physique de ce genre de choses, c'est pas facile. Non, c'est marrant, on est 5 sur le live, sachant que j'ai mis que je livais sur The Flame in the Flood, il y a sans doute 4 déçus. Des Edelweiss.
Ah. Oups. Ouais, je suis pas monté ça. Ah, mais j'ai compris parce que je suis malin. Mes sens de gamer sont en alerte. Alors là, il faut juste. Voilà. Vous ne faites pas tomber dans un trou, hein. Non, c'est bon. Enfin, si, mais ça va. Pas un puits mortel. Johan, je vais te donner un endroit où tu devrais poster ça, les travaux de tes élèves. Tu trouverais plein de gens ravis d'essayer. Bon. Comment je vais... Ah! Comment je vais faire? Est-ce que je peux m'accrocher? Là. 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 Ah, voilà, il fallait juste avoir des couilles. Hein. Oh, la caverne à flanc de montagne. Alors, juste comme ça, de temps en temps, changer la gueule des petits mausolées. Ça paye pas de pain, mais ça peut être cool. C'est blanc. Bravo pour la musique. Ah. Alors, ouais, comment je rentre? Reviens, moi je jette des cailloux dans l'avion, hein. Comment je rentre? Ah, aide-moi! Comment je rentre? Ah, c'est bon. Bizarre. Monter cette paroi? Ah ouais. D'accord. Le mec, il clope 2 minutes et il revient, c'est ça, vas-y, clope, abandonne-moi pendant que je suis en train de tester les jeux de tes élèves. Y a que moi qui me soucie d'eux.
Salaud. Alors, je peux ramasser un caillou et le jeter là, ça sert à rien. J'ai cru que c'était un obstacle. Ah! Va-t'en! Va-t'en, vilaine bête! Tiens, casse-toi! T'es Roland? Tiens! Mais... Ah! Il est con, ce piaf. C'est ça, tu me fais pas peur. Hein? T'as cru que... Barre-toi! Hop! Tiens! T'as cru quoi? Encore? Quoi? Merde. Non! Non! Non, 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 non! J'ai voulu me jeter sur l'oiseau. Alors, c'était bien, la musique. Mais là, la boucle de 5 secondes... Ah, ah. Non. Non, 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 non. Ça, on va vite passer ce passage parce que ça va me souder. Comme d'hab, hein, je me moque gentiment, mais j'ai bien conscience que les mecs, vous aviez pas de temps. D'ailleurs, je dis les mecs depuis tout à l'heure, je sais pas qui vous êtes, hein, y a peut-être des nanas avec vous. Donc les gens te, pas de soucis, hein. Il n'y a que indulgence et amour sur mon lac. Bon, alors par contre là il faut que je monte. Et il y a ce connard de piaf qui va revenir m'emmerder. Franchement il revient, je lui jette un flair dans la gueule. Pas sûr que ce soit utile, mais au moins ça m'aura défoulé. Il revient pas? Il revient pas. Ou alors il y en avait que 3 ou 5 ou 40 000. Par contre, ça aurait peut-être été bien de voir qu'ils étaient 3 ou 5 ou 40 000 si c'est le cas pour l'indiquer aux joueurs. Il y a encore un piaf là-haut. Tu me fais pas peur, le piaf. Casse-toi, tiens, je te jette un flair. Tiens. Je te dis, j'ai pas peur de toi. Je monte alors que... Hey, t'as vu, qu'est-ce que tu vas faire? Franchement. T'es un piaf. Non, je m'en fous, regarde, je tiens. Clac, tu vois, tu peux rien faire. T'es mieux. Non mais où? Retourne te faire coder, va. Clac. Vas-y. Reviens. Oh putain. Il se les prend en pleine gueule. Au moins je m'amuse sur vos jeux. D'ailleurs il y a 5 personnes sur le live, hein. Faut pas hésiter à parler. Hop là. Ouais, que je peux sauter de là. Ouais. Pourquoi la montagne tremble? J'ai le droit de dire que c'était parfaitement calculé et que je savais que j'allais pas me les prendre sur la tronche. Lui il me dit que la fin du jeu est bientôt, et c'est bon là, non? Moi je veux pas, je retombe, je vais refaire de l'alpinisme, allez, je saute. J'essaie de pas me louper, mais je saute, voilà. Ah merde, merde, merde. Voilà. Comme ça on fait encore plus d'alpinisme à cause de mes conneries. J'espère que ça vous a plu.
Je sens que je vais me faire un paquet de céréales, j'ai faim. Hop, le petit saut qui va bien. Et là, une troisième photo. Je vois la photo devant. Au revoir. Non, ces petites illustrations sont cool. Ok, là-haut, clac, et est-ce qu'il y a quelque chose de caché si je vais sur l'autre paroi? Si ça se trouve, il y a la vraie fin du jeu. Et en fait, elle était dans les rocheuses. C'est à ce moment-là qu'il y a un piaf. Je peux le faire. Allez, ouais. C'est ça le vrai secret de l'alpinisme, c'est savoir dépasser ses limites. Savoir aller toujours plus loin, toujours plus fort, plus vite, jusqu'au bout de l'extrême limite. Dédicace à Yuan qui est aussi vieux que moi et donc qui a dû se coiffrer ce générique de merde quand il était là. Toujours plus loin, plus fort, plus vite. Oula! Non, vas-y, casse-toi! Non, sérieux. Eh, hier, j'ai joué à The Flame in the Float, j'ai buté un ours. Alors là, vous me faites pas peur, les enfants. Bon, c'était bien. Je laisse le générique, parce que c'est normal. Attends, on va faire un petit bilan quand même. Alors les enfants c'était pas mal, oui je dis enfants, on est tous des grands enfants. Donc c'était pas mal du tout, un petit peu, bah, de toute façon les critiques que j'ai à dire, vous les avez entendues pendant ce petit test improvisé.
Votre DA, eh bien, elle manque peut-être de visibilité sur certaines choses. Elle a pourtant son caractère. Vos animations, mais ça, je pense que j'ai pas besoin de vous le dire. Vous aviez pas le temps et je pense que vous le savez. Vous avez fait des coupes dans certains trucs et vous avez eu raison. Juste votre niveau en lui-même est un petit peu chiant à la longue. Il faut le dire. De toute façon, vous mettez des points de sauvegarde partout, ce que je prends quelque part comme un aveu. Vous deviez le savoir qu'en fait, comment dire, l'action est un peu lente, c'est un petit peu fastidieux à cause justement de votre gameplay. Donc, vous avez foutu des points de sauvegarde partout, comme ça, si jamais il se passe quoi que ce soit, eh ben, on revient tout de suite à la sauvegarde. Ce que je trouve un petit peu dommage, laisser le joueur peut-être un peu être frustré, un peu détester votre jeu, pour qu'il puisse justement l'aimer par la suite. Sinon, beau boulot en général. Finissez pas sur un ours comme ça parce que moi j'ai bouffe les ours qui me font pas peur. Allez, bravo à tous. On va passer sur tu proposes quoi? Ping-pong? Eh ben on va passer sur ping-pong. Allez, bravo. Comment qu'on quitte? Merde, j'ai relancé le jeu. Hop là. Je coupe le live et on le relance comme ça on va faire des vidéos séparées pour tous les jeux. À tout de suite.